بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأقول قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة أخوات، donc on se retrouve ce soir. Alhamdulillah. Pour un nouveau cours de Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Donc déjà, je m'excuse pour le léger retard. Et puis aussi, je m'excuse pour les, deux cours que je n'ai pas pu assurer, c'est ça. Samedi et dimanche. Je n'ai pas pour habitude de me plaindre ou de quoi que ce soit, et je crois que si ce n'est peut-être une personne dans la room, personne ne serait au courant de ceci ou cela, mais je préfère vous le dire parce que vous suivez assidûment. Naam, et c'est pour rien d'autre, c'est que naam, on va dire que je suis malade de manière chronique, mais je n'attends pas des miskines ou je ne sais quoi. Alhamdulillah, je dis alhamdulillah, et parfois naam, je vais pas avoir l'énergie, parfois je n'ai pas l'énergie, alhamdulillah, hein. Encore une fois, c'est pas pour faire pleurer, mais parfois je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la possibilité d'assurer le cours, parfois oui, et je me suis imposé, c'est moi qui ai voulu, personne ne m'a forcé déjà à faire da'wah, premièrement, puis je me suis imposé un rythme qui est de faire cours chaque soir. Ça c'est la base, c'est ce sur quoi je me suis engagé, Inch'Allah. Puis c'est vrai que parfois, vous êtes prêts, et je m'en excuse, vous êtes prêts à telle heure, à 21h, et vous, il y a cours, vous essayez de vous connecter, certainement que parfois, ça peut arriver une fois ou deux fois en semaine, qu'il n'y a pas cours, je suis juste pas disponible et je me repose, voilà. Mais alhamdulillah, ça va, et c'est comme ça, la vie du croyant, les jonchées d'épreuves, dont certaines choses comme cela, et la vie et la da'wah continue, inshallah. Donc, mais au moins je m'excuse, puis au moins vous savez, c'est pas du laxisme, où je me fiche de vous, ou bien... je fais cours quand j'ai envie, c'est quand je peux. Et quand je fais pas cours, c'est vraiment que je ne peux pas. C'est au-delà de mes forces et de mes capacités. Voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant, au moins, vous êtes tous et toutes au courant. Et donc, il y aura peut-être peut-être plus de compassion, dire, bon, bah, s'il n'a pas fait cours, c'est que vraiment, il n'a pas pu, pour éviter tout mauvais soupçon. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça. Khair, inshallah, walhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli hal. On reprend donc, j'espère qu'on va réussir à le finir ce soir, ce fameux chapitre, hein, de la crainte d'Allah. Je crois, à vérifier, mais je crois que c'est le sixième cours, si je ne m'abuse sur ce sujet, le 5 ou le 6e. 5 sur 6, je ne sais pas. On l'a fait vraiment en plusieurs fois. Inch'Allah qu'on termine ce chapitre ce soir. Je crois que la dernière fois, c'était la phrase de Abu Abdallah, donc Ahmed. Et on s'était arrêté là-dessus, page 203, je crois. Malik ibn Dinar, il dit, j'ai pensé ordonner lorsque je mourrai d'être menotté. Non, ça aussi, on l'a fait. Ça aussi, on l'a fait. Abu Hazin al-Madini, la meilleure qualité qu'on puisse espérer pour le croyant, et qu'il soit celui qui craint le plus pour lui-même, et celui qui espère le plus pour tous les musulmans. On l'a dit aussi, si ma mémoire est bonne. Abu Hazim, comment se déroule l'arrivée devant Allah? Concernant celui qui obéit à Allah, il est semblable à l'absent qui revient auprès des siens qui l'attendent. Quant au pécheur, il est semblable à l'esclave fugitif qui revient à son maître en colère. On l'a dit aussi de mémoire. On va pas se répéter. Mais, eh ben voilà, j'avais mis la petite croix. Je ne sais même pas pourquoi je les recite tous.
Il avait mis la petite croix. On en était. On s'était arrêté sur la phrase de Romain. C'est ça. Rappelez-vous avec les brides. J'avais même fait un. J'avais même coupé l'audio dans le cours pour le mettre en unique sur YouTube. C'est-à-dire, j'avais parlé de la bride. L'homme pieux est retenu par des brides. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et j'avais longuement, plus ou moins, argumenté sur cela. On avait parlé que la personne qui s'attache au dîne, eh ben, elle a des brides. Elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire ça. Même si son âme, et certes l'âme est incitatrice au mal, lui dirait « fais ceci, fais comme ça ». Et Nefs réclame. Il se dit « non, je ne peux pas, mon Nefs, je ne peux pas. Moi, je suis un croyant. » Naram, qui plus est, j'essaye d'être pieux, donc je ne peux pas faire tout ce que je veux, et je me retiens. Donc ça, on l'avait clarifié et expliqué, walhamdulillah. Donc, on va reprendre aujourd'hui avec la phrase de Masruq, qui dit, suffit pour science, de craindre Allah Azzawajal, et suffit pour ignorance, de faire preuve de fatuité concernant ses actes. Naram. Alors la science, c'est deux choses, ça peut être compris de manière différente sur deux choses. Certaines personnes vont penser, Naram, que la science... c'est l'accumulation d'informations. Mais l'accumulation d'informations, c'est une chose, c'est une science. Mais sans mise en pratique, sans taqwa, sans piété, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, plus que ça ne sert à rien, c'est un fardeau, c'est un poids. Parce que tu vas savoir telle et telle et telle et telle et telle chose. Donc, alhamdoulilah, tu ne peux pas faire l'innocent. Tu ne peux pas faire l'ignorant. Je ne savais pas. Je n'ai pas su. Tu as appris que. Et ensuite... tu t'es détourné. Donc ça, c'est pire que d'ignorer. Maintenant, je pense qu'on l'a déjà expliqué aussi, ce qui ne veut pas dire qu'on doit se détourner de l'apprentissage de la science pour se donner une belle excuse. Alors moi, je n'apprends pas. Comme ça, alhamdoulilah, je suis ignorant. Comme ça, je suis excusé. Il y a des gens qui veulent feinter comme ça. Non, parce que apprendre la science selon ses capacités, c'est obligatoire. Et puis, apprendre la science fait que la foi augmente. Alhamdoulilah, nous permet de faire plus de réformes sur notre personne et plus de bonnes œuvres. Donc, il y a un bien à apprendre la science. Mais... apprendre pour apprendre, non. Accumuler pour accumuler, non. Dire je connais ça. Si c'est pour ne pas mettre en pratique, ce n'est pas une bonne chose. Apprendre, mais mettre en pratique, donc craindre Allah. Et c'est ça qu'a sert la science. Non. C'est pour ça aussi que certains disent que la science en vérité, comme il dit lui, ou Ibn Mas'ud aussi, je crois de mémoire, suffit pour science de craindre Allah. Car celui qui a le plus de science, celui qui craint Allah en vérité. Hein, celui qui craint Allah. Suffit donc pour science de craindre Allah, et suffit pour ignorance, et on voit que les gens ignorants, ce sont ceux qui font le plus de péchés, même s'ils connaissent certaines choses. En vérité, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, car tu ignores à qui tu désobéis, tu ignores ce que tu fais. Hein, tu fais preuve donc de fatuité concernant tes actions, tes actes. Hein, suffit pour ignorance de faire preuve de fatuité concernant ses actes, ses actions. C'est-à-dire qu'il fait un peu tout ce qu'il veut, celui-là, et il fait énormément de haram. Et ça, c'est une note d'ignorance. Hein. Même s'il connaît. Même si tu dis, mais il connaît. Connaître, c'est bien. Mais si ça l'empêche pas de désobéir, c'est pas vraiment une science bénéfique. C'est juste une accumulation d'informations, vous comprenez? Donc, tout pécheur, moi, vous, a une part d'ignorance, en vérité. C'est une part d'ignorance. Car le pécheur, en péchant, il est ignorant à ce moment-là. Ignorant des conséquences de son action, ignorant de à qui il désobéit. Vous comprenez? Ça, Cheikh Al-Faymin, il le disait aussi. Tout pécheur, en fait, à ce moment-là où il fait le péché, est un ignorant. Il est un ignorant, même s'il a certaines connaissances. Wallahu a'lam. Donc voilà. Ka'b al-Ahbar dit: pleurer par crainte d'Allah mais préférable au fait de donner en aumône mon poing en or. Ça, c'est une phrase lourde de sens, hein, concernant donc les pleurs par crainte d'Allah, ce qui peut, j'espère, nous arriver. C'est-à-dire qu'alhamdoulilah, le cœur, il est vivant, même si, comme on l'a déjà expliqué, même si tu pèches, mais si au moins tu as le regret, comme je vais vous donner un exemple concret concernant un poste que j'ai fait ce matin, ou ce midi, là, plutôt. Au moins tu regrettes ce que tu fais, puis tu pleures. Tu pleures par crainte d'Allah, tu pleures pour ton cas. Ça, c'est une action azim. C'est quelque chose d'énorme. Ça montre que le cœur, il est vivant. Et il est tendre. Et il dit, lui, garde, que pleurer par crainte d'Allah lui est préférable au fait de donner en aumône son poids en or. Imaginez, un homme, admettons, 70 ou 80 kilos d'or en aumône. C'est une aumône qu'on ne pourra probablement jamais donner de notre vie.
Hein? Et lui, il dit que s'il pleure par crainte d'Allah, cela est mieux. C'est lourd de sang. C'est-à-dire que ces pleurs-là, ils ont vraiment, les pleurs sincères, bien sûr, ils ont vraiment un sens. Lorsque le croyant se repent, ou en tout cas, fait état de son cas, Allah Azzawajal, qu'il le connaît déjà d'ailleurs, qu'il dit, Allah, voilà, je suis comme ça, j'ai fait ça, et je regrette, Ya Rabbi, et tu pleures, et tu pleures, et tu pleures. Ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Parce que tu crains, Naam, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le regret. Pour revenir sur le regret, donc déjà, on voit que les pleurs comme ça, c'est mieux encore qu'une grosse sadaqa. Et, yani, le regret, j'expliquais ça avec Salat al-Fajr. C'est un combat pour nous tous. Pour toi, pour moi, pour lui, pour elle. Ce n'est pas une chose forcément aisée. Mis à part celui ou celle. Alhamdoulilah, qu'Allah facilite qu'il y ait quelqu'un qui se couche très tôt, qui se lève très tôt, et ce n'est pas difficile pour lui ou pour elle. Parce que ce frère ou cette sœur, de toute façon, à 5 ou 6 heures du matin, il ou elle est levé. Ça peut être pour le travail, pour les enfants. On a différentes excuses, différents cas. Chacun est différent face à ça. Il y a des gens, c'est pas le cas. Pour qui c'est difficile? Pour qui la lutte, le djihad est plus difficile? Djihad nafs, hein. Et Salat al-Fajr, donc c'est un combat, je pense, hein, Allahu A'lam, pour énormément de gens. Énormément de gens. Et j'expliquais donc qu'une bonne journée, Inch'Allah, en tout cas elle commence bien, Inch'Allah, lorsqu'elle commence par Salat al-Fajr, qu'elle a été faite à l'heure, cette prière. Ça, c'est, je pense, tout croyant le remarquera. Quand elle a été effectuée, alhamdoulilah, peut-être après on a fait les afkar après du matin, et qu'on se couche encore après le fajr pour que la journée commence, alhamdoulilah, en tout cas, on est apaisé. Quant à celui ou celle parmi les croyants, j'ai dit parmi les croyants, qui va la manquer, il va ressentir une grande gêne. Pour lui, c'est une catastrophe. Il va vraiment être, et le mot est faible, dégoûté. Dégoûté de l'avoir manqué, dégoûté de lui-même, il va vraiment beaucoup regretter, et ça va le ronger, et il va être mal. En soi, ça, c'est un bien. Pas de l'avoir loupé, ce regret-là. Et j'avais dit, quant à celui, écoutez bien, qui ne ressent rien face à cela, mes condoléances, parce que son cœur, il est mort. Et j'ai loupé le fajr. Oh, pas grave. Allah, il a loupé un train, il est plus triste. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la niya. C'est pas, il est en difficulté pour se lever. C'est difficile pour lui, il a un sommeil lourd, ou il se couche tard, il a du mal. Non, il y en a, c'est... Ils ont prévu comme ça. Il va se coucher à telle heure, il met le réveil à 10h. Directement, la niya, c'est de ne pas se lever. Il la fera après. Des gens comme ça qui la retardent volontairement. Ça, c'est très grave. Selon certains ulama, ça fait même sortir de l'islam, hein, de retarder une seule prière volontairement. J'ai bien dit une seule. Pour certains savants très fermes sur le sujet, celui qui fait volontairement sortir une prière de son temps, il est kafir. Je n'ai pas dit que c'est la vie le plus authentique. J'ai dit que c'est un avis parmi les savants. Je n'ai pas dit que c'est forcément la vérité absolue, mais certains savants sont de cet avis. À voir plus ou moins est-ce que ça a été fait exprès ou pas. Ils disent si c'est volontaire. Alors après, c'est question de sommeil. Est-ce que c'était vraiment volontaire ou est-ce que c'est du laxisme? Il faut après définir un petit peu les choses, à voir exactement qu'est-ce qu'a voulu faire la personne. Est-ce que c'est par un peu paresse? Est-ce que c'est par surcroît de fatigue? Ou bien est-ce que vraiment, elle l'a vraiment fait sortir de son temps de manière volontaire? C'est-à-dire qu'elle pouvait la faire, elle était éveillée, elle a dit non, plutôt voilà, je vais me coucher. Voilà, il y a des nuances, il y a des notions. Wallahu a'lam, qu'Allah pardonne aux musulmans et musulmanes et raffermisse toute la communauté dans la salat. Ça, c'est la base. Mais sinon, voilà, le ressenti face à ce manquement énorme. Il y a deux types de personnes. Bien sûr, il y a ceux qui l'accomplissent, alhamdoulilah. Parfois aussi, vous allez me dire, ça peut être par erreur. Et dans ce cas-là, c'est excusé parmi les excuses liées au manquement d'une prière. L'oubli involontaire. On parle d'un réel oubli. Vraiment, tu as réellement oublié. Et ça, Allah sait si c'est sincère ou non. Ou si c'est du laxisme ou de la paresse. Non. Ou si tu t'es laissé déborder par dunya, ce qui n'est pas un oubli réel. Ou bien le sommeil. Enfin, les causes aussi. C'est-à-dire que tu t'es couché suffisamment tôt pour te lever suffisamment tôt pour Salat al-Fajr. Ou alors tu as mis des réveils, même si tu te couches un peu plus tard, tu sais que les réveils, tu les entends, alhamdoulilah, hein, et quoi? Et tu vas te lever. Mais là, oh, le réveil, il a passé au niveau, alors tu ne l'as vraiment pas entendu, tu étais dans le sommeil. Et là, tu es excusé. Maintenant, si c'est tous les jours, comme ça, là, on rentre dans une forme de mauvaise organisation, de laxisme vis-à-vis de Salat al-Fajr, car si c'était pour gagner un chèque de 2000 euros, probablement que tu aurais été réveillé bien avant l'heure. On te dit...
Il a mis 1000 ou 2000 euros dans une mallette comme ça. Devant ta porte, mais il faut vraiment être levé, hein. À 6h45, hein. C'est pas une minute avant, pas une minute après. Il faut vraiment que tu sois là. Je pense que tout le monde serait à 6h30 devant sa porte à attendre cette mallette. Mais c'est triste. Parce que ça, la tête Fadjer vaut bien plus que cela. Voilà. Mais pour revenir au manquement, après chacun sait ce que c'était vraiment du sommeil, est-ce que c'était une part de laxisme, une mauvaise organisation, Allah ou Ta'ala Alem. Elle a été manquée en tout cas. Personne ne se lève à 9h, à 10h, à 11h, à midi. Si ton cœur il est brisé, peut-être même t'en pleures, t'es énervé contre toi-même toute la journée, etc. Alhamdulillah, il y a encore du bien en toi. Il y a encore du bien en toi. Il faut que tu cherches la réforme. Il faut que tu fasses des efforts. Et il faut que tu... que tu te réorganises. Il faut que tu réorganises ta vie pour essayer d'être présent à cette prière-là. D'accord ? Si ça ne te fait rien, c'est là où c'est vraiment dramatique. Voilà. Si tu ne ressens rien ou si peu, si pour toi c'est si peu grave, là c'est vraiment dramatique. Qu'Allah nous raffermisse et qu'Allah fasse, que face à un tort ou une faute, nous ressentions les choses. Voilà. Tout le monde peut être amené à commettre une erreur. Tout le monde peut être amené à commettre une erreur, d'avoir un manquement, etc. Et au moins ce regret-là, comme je le répéterai toujours, au moins cette tristesse. Et cette tristesse est significative. Ça veut dire que tu montres de l'intérêt pour Din, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est évident. Voilà. C'est évident. C'est évident que le contraire également aussi, c'est une forme de mépris, quelque part. De mépris. Voilà. Et tu ne donnes pas de considération à cela. Qu'Allah nous en préserve. Voilà. Abu Maysara gagna sa couche. C'est-à-dire, il a rejoint son lit. Et il dit... Si seulement ma mère ne m'avait jamais mis au monde. Son épouse lui dit, oh Abu Maysara, Allah n'a-t-il pas été bon envers toi? Il t'a guidé à l'islam. Il t'a accordé ceci et cela. Il répondit, certes, mais Allah nous a informé que nous serons tous amenés vers l'enfer et il ne nous a pas dit que nous en sortirons. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens se disent, on va tous passer par l'enfer. C'est pas qu'on va y rentrer. On va être amenés vers l'enfer. Il n'a pas dit dans l'enfer non plus, Abu Maïserva. C'est plutôt, certes, certains sont guidés, d'autres non. Certains ont reçu les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais effectivement, quand Allah azawajal nous a informé que tous les pieux ou impieux, koufar, musulmans, on sera tous amenés vers l'enfer. C'est qu'on passera tous à proximité. Certains vont y entrer, ne plus jamais en sortir. Certains, voilà, yazoubillah, certains vont y entrer pour en sortir un jour. Allah Moustaïk, et certains vont ne faire que passer comme ça. Non. Mais personne ne sait quel sera son sort. Voilà pourquoi il dit, si seulement ma mère ne m'avait jamais mis au monde. Non, mais il a peur. Donc c'est par crainte d'Allah qu'il dit cela. Al-Ala Ibn Muhammad rapporte. Je suis entré chez Atta al-Salimi, qui s'était évanoui. J'ai demandé à son épouse, Ja'far, qu'est-ce qui est arrivé à Ja'far? Elle répondit, notre servante a allumé le four. Il l'a regardé et s'est évanoui. Pourquoi? Parce que le four, si ce n'est juste une chose de dounia, comme ça, avec un feu à l'intérieur, lui a rappelé l'enfer. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'un four est représentatif de l'enfer. Comme j'avais expliqué dans, justement, je crois, le dernier cours, sur l'interdiction de représenter l'invisible ou de s'imaginer. Mais c'est un rappel. Mais c'est un rappel quand même. Juste le four, Allah, ça l'a fait être dans un mauvais état. Il s'est évanoui juste à la vue du four. Voir comme ça, peut-être les braises et les flammes, non, mais la forte chaleur, ça l'a pétrifié. Non, ça l'a pétrifié, parce que que dire de l'enfer? C'est incomparable avec ça à côté, ça c'est un jardin. Je pèse mes mots. Ce four-là, être rentré dans ce four-là, c'est un jardin, c'est un délice. C'est simplement une petite promenade de santé à côté de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ça c'est ce qu'on peut retenir de cette phrase, et également, plein de personnes pourraient se demander, pourquoi Al-Ala Ibn Muhammad dit qu'il est entré chez Atta, donc il s'était évanoui, et qu'il a demandé à son épouse. Certaines personnes pourraient dire, donc il rentre chez lui et il parle à sa femme. Donc ce qui est rapporté chez les compagnons notamment, c'est deux choses. Quand un homme et une femme échangent, pour revenir à cette fameuse mixité, soit ça se faisait derrière un rideau, et c'est mieux. Et c'est mieux, soit ça se faisait derrière un rideau, et c'était courant, soit il y avait un échange
mais en toute pudeur et dans le respect. C'est-à-dire un petit peu comme si, la sœur est chez elle, ça sonne, elle ouvre la porte. Ah, mais elle est donc en jailbait parce qu'elle ne sait pas qui va rentrer, c'est peut-être pas son mari, c'est peut-être pas son père, c'est peut-être un inconnu. Ah, et elle va ouvrir la porte et parler peut-être avec un homme inconnu. Parler, je répète, parler dans une certaine mesure de respect, sans impudeur, sans ricaner, sans sympathiser, etc. Mais simplement répondre à une question, une information, peut-être c'est le facteur qui vient livrer un colis. Elle n'a pas le choix. Bonjour madame, bonjour, moi j'ai un colis pour vous, ok, alhamdoulilah, tu prends le colis, tu refermes la porte. Ou bien, un voisin qui demanderait quelque chose. En soi, il ne faut pas faire d'exagération, parce que certains, c'est tout l'un ou tout l'autre, comme on dit. Il y en a, et ma soeur, elle va faire rentrer des hommes inconnus chez elle, elle va leur servir le thé, elle va rigoler avec eux, elle n'a pas le voile, ça c'est une grande perversité. De l'autre, il y a les soeurs, elles vont se cacher, derrière, sous le lit, si un homme y rentre, etc. Elle dit, il faut surtout pas qu'il entende le son de ma voix, etc. Ce n'est pas une chose à cacher, le son de la voix de la femme. Ce n'est pas une chose à cacher, si ce n'est, elle ne doit pas être complaisante. Elle ne doit pas rire, elle ne doit pas prendre une voix douce, elle ne doit pas commencer. Mais elle utilise une voix simple, et elle parle de manière normale. Voilà, sans excès de douceur, etc. Sans agressivité non plus, bien sûr, elle ne doit pas être impudique, simplement. Mais répondre à un renseignement de cette manière-là, voilà. Et comme on parlait l'autre jour des sœurs, quand on les facilite, qui veulent faire assistante maternelle, qui peut-être être amenée à recevoir le père. Le père qui viendrait conduire les enfants, déposer les enfants, ou bien alors les rechercher. Elle ne peut pas, comme ça, ouvrir la porte, partir en courant dans une autre pièce et dire, ou même pas dire, parce que si elle a peur qu'il entende sa voix, il doit comprendre qu'il doit laisser les enfants comme ça. Il n'y a aucun parent qui va laisser les enfants à une femme aussi étrange que ça. Parce que là, on rentrerait dans l'étrangeté profonde. Qui va laisser l'enfant, c'est-à-dire, ouvre la porte tout seul, à la rigueur, l'enfant, il doit rentrer tout seul. Non, elle doit accueillir l'enfant, elle doit débarrasser son manteau, son sac, etc. Et elle dit bonjour. Bonjour, bonjour, salam, salam. Comme m'a dit mon chien. Hafidallah. C'est comme ça que ça se passe. Et ici, il n'y a pas de mal. Ça, c'est les limites. Et c'est notamment apporté chez les compagnons. Et on voit ici, parmi les pieux prédécesseurs également. Il est rentré, il demandait après Atta Salimi, mais il s'était évanoui. Donc il a demandé à son épouse. Il dit qu'est-ce qu'il est arrivé? Elle répondit, la servante a ouvert le four, allumé le four plutôt, il a regardé, il s'est évanoui. On ne parle pas de, ils ont commencé à sympathiser, à rire, non. Simplement, ils ont échangé trois mots, et ceci est permis. Donc, pas de laxisme, et pas d'exagération dans la religion, dans la voie de la sunna, toujours. D'accord? Vous comprenez? Les frères, les sœurs, c'est du respect. Voilà. Simplement du respect, il peut y avoir un léger échange, mais il ne faut pas commencer à déborder. Chacun connaît les limites de toute façon. On sait quand ça devient tendancieux. On sait quand une femme commence à devenir, on dirait, à chercher l'attirance, on va dire. Ah. L'homme doit craindre Allah, la femme doit craindre Allah, mais il y a certaines autorisations concernant ce sujet. Sinon, ce serait juste impossible les rapports humains, parfois. Allahu a'lam. Si on peut éviter, si c'est un homme qui ouvre la porte et qu'on peut éviter, moi-même je préfère. Hein? Mais parfois il n'y a pas forcément le choix, comme dans ce cas-là, où quelqu'un s'est permis. Wallahu ta'ala al. Ibrahim ibn Shayban a dit: lorsque la crainte s'installe dans le cœur, elle y brûle le siège des désirs et en chasse l'envie pour ce bas monde. Bon, ça c'est évident. C'est comme la phrase d'Ibn Qayyim concernant la musique, deux choses ne peuvent pas cohabiter dans un seul cœur. L'amour du Coran et l'amour de la musique. Donc si tu as de l'amour pour une chose, ça va chasser l'autre. Celui qui est amoureux du Coran, ça va chasser de son cœur l'amour de la musique. Quant à celui qui est amoureux de la musique, vous verrez pas ces gens-là être amoureux du Coran. Ou alors c'est pour bluffer. C'est pour bluffer. Mais au fond, non, ils ne le mettent pas en pratique. Donc c'est la même chose ici, s'il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans le cœur, cela brûlera le siège des désirs et chasser l'envie pour ce bâme. Quant à celui qui a plein de désirs dans le cœur, il est plein de shahawat, et il a beaucoup d'envie pour ce bâme, il craindra peu Allah azawajal dans son cœur. Donc c'est évident. Voilà. Après il y a une lutte, il y a une certaine lutte, c'est pas non plus tout blanc ou tout noir, ce n'est pas que de la crainte, forcément, ou que des passions, c'est aussi une lutte. C'est aussi une lutte, peut-être qu'un livre qu'on fera un de ces jours, là sur le côté, que j'avais mis de côté, je ne sais pas si, Inch'Allah, peut-être qu'on le fera un jour,
entre la vérité et la passion, l'homme et ses luttes intérieures. Donc c'est un livre qui traite du djihad al-nafs. Voilà, de lutter contre son âme face aux tentations, aux envies, aux péchés, etc. Donc c'est un très bon livre. Inch'Allah qu'on pourra le faire. Et la plupart d'entre nous, c'est pas que les passions ou que la crainte. C'est, il y a une certaine forme de crainte, non ? Et une certaine forme de passion aussi, et puis on lutte constamment. Un jour, c'est la crainte qui va gagner, c'est la foi, après c'est la shahawat, c'est le haram, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, et c'est une lutte, c'est difficile. Mais de manière absolue, on dit que si la crainte s'installe pleinement dans le cœur, Wallahi qu'elle va brûler tous les désirs et chasser l'envie pour se bam. Bon, c'est évident. Si c'est vraiment de manière pleine. De même, si c'est que l'amour de ce bas monde qui est dans le cœur, tu ne verras pas la personne intéressée à la religion. Ça me paraît clair. Ja'far ibn Abdurrahman rapporte: je suis allé trouver Mis'ar ibn Kudam afin d'apprendre de lui. Et c'était un homme qui semblait être au bord de l'abîme de l'enfer afin d'y être jeté. C'est-à-dire qu'il était constamment pétrifié. C'est un homme de science. Évidemment, ceux qui ont plus de science sont ceux qui craignent le plus Allah et les plus conscients des choses. Parce que ceux qui pêchent et qui pêchent et qui pêchent et qui font tout et n'importe quoi, et tu ne les vois pas affolés, parce que ce sont des ignorants, ils n'ont aucune science. Voilà. Plus la personne a la science, plus elle sera craintive d'Allah. Donc plus tu la verras, parfois apeurée. Hein, il dit, cet homme-là semblait être au bord de l'abîme de l'enfer afin d'y être jeté. Donc il était conscient des choses, comme s'il le voyait. J'ai bien dit comme si, c'est pas il le voyait, c'est comme s'il le voyait. Plus t'as la science, plus t'es conscient. Pour quelqu'un, il va dire, bon, j'ai fait le riba, mais bon, c'est pas grave. Toi, tu vas dire, le riba, mais c'est tellement grave. Pourquoi ? Tu dormirais pas de la nuit si tu faisais le riba. Fornication, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est banalisé, fornication. Les gens, ils arrivent à forniquer en prenant du plaisir. Un croyant, même s'il peut être tenté par ça, au moment où il va le faire, il va dire, peut-être je vais mourir sur le champ, je vais être ressuscité comme ça. Il va dire, subhanallah, je ne peux pas. Il va être mal. En tout cas, il ne pourra pas profiter de l'instinct. C'est impossible. Il ne peut pas être dans son péché, parce que sa foi, quoi, l'en empêche. Vous comprenez la différence ? Plus il y a de séance, plus il y a de foi, c'est comme ça. Si tu vois les gens se prélasser dans les péchés, non, c'est parce qu'ils sont complètement ignorants, ils sont insouciants. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font. Et comme ça, il vient de souscrire un crédit à riba, il mange bien, il dort bien, il est complètement ignare, il n'imagine pas ce qu'il fait, c'est très grave. L'autre, il fornique, il va à l'hôtel, il est très content, il fait les grandes ablutions, il rentre chez lui, il est très content, il est bien, il a pris du plaisir, il a passé du bon temps, comme on dit. Un croyant, une croyante, il ne pourrait pas, il serait pétrifié. Non. Donc cet homme-là, Ja'far ibn Abdurrahman, est venu apprendre de lui, donc c'était un savant, visiblement, et lui, évidemment, il était constamment conscient des choses, et donc mal à l'aise. Ja'far rapporte aussi: les nuages arrivaient et repartaient sans que la pluie ne tombe. Malik ibn Dinar a dit: vous trouvez longue la venue de la pluie, alors que moi, je trouve longue la venue des pierres. Tant que ces nuages ne font pas pleuvoir sur nous des pierres, nous sommes dans le bien. Voilà. C'est-à-dire une catastrophe, comme certains peuples ont été avertis et châtiés auparavant. Voilà. Et craignez cela, Malik dit: vous trouvez long la venue de la pluie, alors que moi je trouve long la venue des pierres, pour tous les péchés que font les gens. Voilà. Tant que c'est que de la pluie qui nous tombe dessus, alhamdoulilah, ce n'est pas un châtiment, je n'y vois que du bien. Voilà, je n'y vois que du bien. Encore une fois, donc par crainte d'Allah, il a dit cela. Hudhayfa al-Mar'ashi a dit: si tu ne crains pas qu'Allah te châtie pour la meilleure de tes œuvres, tu cours à ta perte. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'a pas dit pour la pire de tes œuvres, pour le plus grand de tes péchés? Est-ce que quelqu'un veut participer? Si tu ne crains pas qu'Allah te châtie pour la meilleure de tes œuvres, alors tu cours à ta perte. Non. Que quelqu'un ait une idée de cela. Pourquoi il dit la meilleure des œuvres et pas le pire des péchés? Non. Les trois réponses sont correctes, si ce n'est que c'est plutôt les deux qui seraient les plus correctes. Pourquoi? Les deux seront dit, c'est par rapport à l'ostentation. Par rapport à l'ostentation, c'est juste. Et le frère dit lui, car on ne sait pas si nos œuvres vont être acceptées. Non. En soi, Naram, c'est juste, même si ce n'est pas ça vraiment qui est visé, parce qu'ici on parle de châtiment. Parce qu'une œuvre qui n'est pas acceptée, c'est déjà en soi suffisamment difficile. Ce n'est pas pour autant qu'il y aura un châtiment. Il se peut que tu aies fait une œuvre, Naram, qui n'était pas conforme, tu as commis une erreur, tu comprends, il n'y a rien. Et en soi,
Voilà, ton œuvre elle est rejetée. Donc oui, si tu crains que ton œuvre ne soit pas acceptée, c'est-à-dire que ta meilleure œuvre ne soit pas acceptée, alors si tu ne crains pas que ta meilleure œuvre ne soit pas acceptée, alors tu cours à ta perte. C'est-à-dire dans le sens, on ne sait pas si elles sont acceptées. Ce serait bien présomptueux de dire oui, mon œuvre elle va être forcément acceptée. Ça c'est un fait. Mais ici, Naam, c'est plutôt donc lié à l'ostentation. Ria. Plutôt lié à l'ostentation. C'est-à-dire que ma meilleure des œuvres, voilà, je suis, admettons, convaincu, voilà, qu'elle va être acceptée, je suis dans le bien, etc. etc. Et ça, c'est incorrect. Au contraire, on doit craindre qu'Allah nous châtie pour la meilleure de nos œuvres. Est-ce qu'on l'a fait avec une pleine sincérité? Est-ce qu'on avait l'ikhlas pur quand on l'a fait, ou alors est-ce qu'on l'a fait avec une part d'ostentation? Donc, si on a fait une chose en bien, c'est en soi c'est un bien, mais ce n'est pas acquis. Ce n'est pas encore acquis. On espère qu'Allah agrée cela et ne nous châtie pas justement pour cette bonne œuvre. Est-ce qu'on l'a fait avec un ikhlas plein ou pas? Alors qu'Allah fasse qu'on ait l'ikhlas dans nos actions, je dis bah, qu'Allah fasse qu'on ait l'ikhlas. Parce que sans quoi, c'est pire encore. Une bonne action, oui, une bonne action peut être pire qu'un péché. Un péché, on peut dire astaghfirullah, il se peut qu'Allah nous ait pardonné, et c'était par faiblesse, etc. Une bonne action, on prétend l'avoir fait pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis en fait, on l'a fait pour les gens, on l'a fait pour ceci ou pour cela. Et dans ce cas-là, c'est très grave. Les premiers jetés au feu seront des savants, des combattants et des donneurs d'aumônes. On pourrait s'étonner, dire c'est des gens qui faisaient le bien, mais ils n'ont pas fait le bien pour le bien. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'ont fait pour être aimer des gens, vu des gens, etc. Donc ça, c'est vraiment très grave. La bonne action peut être plus tranchante, en vérité, que le péché. Non. Être vigilant face aux interdits, ça c'est une chose, mais il y a toujours d'être taouba. Mais être vigilant dans les bonnes actions. Et c'est là que Shaitan, entre guillemets, il est fort, même si la ruse du diable est certes faible, c'est là qu'il est fort. C'est-à-dire qu'il va faire désespérer de la miséricorde d'Allah dans tes péchés, alors qu'en vérité, la porte de sortie de ça, c'est juste être taouba. Même si tu avais fait les pires péchés au monde, c'est juste être taouba. Il y a des gens qui désespèrent. Oh, la sœur, elle a fait ça et ça et ça et ça, et c'est une perdue. Elle n'est pas perdue si elle dit astaghfirullah et qu'elle revient et qu'elle cesse. On connaît les conditions du repentir, n'est-ce pas? Le frère, c'est pareil. Il a fait ça et ça et ça et ça, ou bien c'est ta propre personne. J'ai trop fait, c'est impossible pour moi de m'en sortir. C'est trop grave, c'est trop tard. Non, taouba sincère. Et puis là, c'est terminé. Et en vérité, là où je dis Shaitan, il est malin et rusé par rapport à ça, c'est qu'il va te faire désespérer de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tes fautes ou sur les fautes des autres. Par contre, bonne action, jamais tu vas remettre en question Tania. Non, je suis toujours dans le bien. Voilà, j'ai fait du khair, je suis confiant et convaincu sur cela. De toute façon, c'est du bien. Allah aime le bien, donc ça ne peut qu'être accepté. Et c'est là la ruse. Tu vas te remettre en question plus facilement sur un péché, hein, plus facilement sur un péché que sur une bonne action. Non, en soi, ça peut être logique, mais non. On doit aussi surveiller, bien sûr, nos mauvaises actions et savoir ce qu'on a fait de mal et les compter, non, et faire en sorte de les diminuer ou essayer de les effacer, mais être là par le repentir. On doit aussi se remettre constamment en question dans la manière dont nous accomplissons les bonnes œuvres. Et réviser sa niya. Constamment réviser sa niya. Et est-ce que l'intention elle est bonne? Est-ce que je ne suis pas en train de dériver? Est-ce que je ne cherche pas autre chose que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? Autant de questions à se poser. Comprenez? Donc ça, c'est très important. C'est très important. Surveiller son cas par rapport au péché, mais surveiller son cas aussi par rapport aux bonnes actions. Wallahu a'lam. Abdallah ibn Shuzab rapporte. Sulayman accomplit le Hajj avec Omar ibn Abdelaziz. Ils se rendirent à Taif et furent surpris en chemin par l'éclair et le tonnerre. Sulayman prit peur et dit à Omar: As-tu vu cela, ô Abu Hafs? Il répondit: Ceci arrive lorsque descend sa miséricorde. Alors qu'en est-il, l'âme, lorsque s'abat sa punition? L'âme, donc les deux ont été surpris par l'éclair et le tonnerre. On apprend donc une information. Lorsque l'éclair et le tonnerre s'abattent, ça peut être lorsque descend la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas forcément un mal. Il dit ceci arrive lorsque descend sa rahma, lorsque descend sa miséricorde d'Allah azza wa jalla. Il y a ce genre d'événements qui existent, hein, qui se font. Donc l'éclair et le tonnerre. Que dire alors? C'est déjà ça, c'est impressionnant. Alors c'est un bien, c'est un bien qui descend et c'est très impressionnant. Que dire si c'est la punition qui descend? Voilà, yav billah. Ensuite,
صالح المري rapport. J'ai dit à Atta al-Salimi, que désires-tu? Il se mit à pleurer, il dit, par Allah, oh Abi Bishr, j'aimerais être cendre et n'être jamais rassemblé, ni en ce bas monde, ni dans l'au-delà. Il dit, par Allah, il me fit pleurer, et j'ai su qu'il voulait seulement être sauvé de la difficulté du jour du jugement. C'est-à-dire lorsqu'il a dit cela, je ne veux pas être rassemblé ni en ce monde, ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'il voulait être sauvé de, du jour du jugement, de la difficulté fait d'affronter ce jour. Et ça y est, c'est l'heure vraiment des comptes, et c'est maintenant, hein, c'est le moment. Il n'y a pas d'épreuve plus difficile que cela. Je me rappellerai toujours ce que mon cher m'a dit. Il n'y a pas les épreuves, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la prison, il n'y a pas la perte des gens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Tout ça, c'est de la rigolade, il m'a dit. Je l'ai éprouvé à l'époque, je lui ai dit, Naam, donne-moi une nasiha, donne-moi le bon conseil, Yachir. Il m'a dit, souviens-toi toujours de Yom Al-Qiyamah, il n'y a pas pire comme épreuve. C'est ça, il faut être focus sur ça. C'est ça qui est terrifiant, c'est ça qui est difficile. Tout le reste, en vérité, en vrai de vrai, aussi difficile que ça peut être comme neuf, sur l'instant, c'est de la rigolade. Vraiment, de la rigolade, c'est simple, c'est facile. Il n'y a pas à se tracasser pour ces choses-là. Comprenez? C'est le rassemblement du jour du jugement, les difficultés liées à cela. Et c'est ça qui est la vraie épreuve. Bishr également demanda à Al-Fudayl ibn Iyad. Il lui a dit, exhorte-moi. Alors il répondit, celui qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, la crainte le mènera à tout bien. C'est-à-dire, comment justement atteindre... Comment atteindre le bien et comment bien cheminer? On dira toujours crains Allah. Et c'est répété de nombreuses fois dans le Coran. Ittaqullah, etc. Ittaqullah, c'est du pluriel. Ça veut dire craignez Allah. Ittaqullah, c'est du singulier. Crains Allah. Et donc, la crainte d'Allah est rappelée de nombreuses fois dans le Coran et dans la Sunnah. Celui qui craint Allah, ce sera pour lui, l'âme, l'indication sur le chemin du bien, sur le cheminement du bien. Ça le mènera à tout bien. Et enfin, sur ce chapitre, et enfin on termine, walhamdulillah, Luqman le sage, qui est cité dans le Coran, il y a même une sourate qui porte son nom. Luqman le sage dit à son fils, mon enfant, attache-toi à la crainte d'Allah, car elle domine toute chose. Certes, comme on l'a vu juste avant, elle mène à tout bien. Puis celui qui craint Allah, comme on l'a vu dans les chapitres, plutôt dans les cours précédents sur ce chapitre, celui qui craint Allah, Allah le fera craindre de toute chose. Alors, donc, quand on dit « attache-toi à la crainte d'Allah car elle domine toute chose », celui qui craint Allah, il sera sur le chemin du bien. Il sera en paix, il sera en sécurité, il se sentira bien. Les gens le craindront, en tout cas le respecteront, l'aimeront. Donc la crainte d'Allah domine toute chose. Et il ne faut s'attacher qu'à cela. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Donc voilà pour ce chapitre, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a de nombreuses questions? Auquel cas on les fait, ou sinon on va peut-être, wallahu a'lam, entamer un nouveau chapitre. Aucune question? Non. Le prochain chapitre est très très court, enfin il fait quand même 2 pages. Je ne sais pas, Inch'Allah, peut-être qu'on le fera directement, un prochain cours pour le faire directement. Il n'y a aucune question, vous n'avez vraiment rien. Vous terminez. Si, je vous laisse 1 minute ou 2. Peut-être chercher des questions, vous souvenir. Juste 1 minute ou 2. Et puis on passe aux questions-réponses. Je pense que c'est mieux. Alors on a terminé le chapitre sur la crainte d'Allah. Comme ça, c'est bien rangé, entre guillemets. Comme ça, quand on fait un prochain cours la prochaine fois, on prendra sur un nouveau chapitre. Et on essaiera de le traiter en entier, directement. Un cours, un chapitre. Sur l'espoir en Allah et la bonne opinion d'Allah. Après avoir parlé de la crainte, justement. Non. Donc je vous laisse 1 minute ou 2, et puis je viens pour les questions-réponses là. Salam alaikum. Comment savoir si notre intention est bonne? Peut-on être sûr de vrai que pour Allah Ta'ala, on ne sait jamais vraiment? Non, personne ne sait exactement. Il y a des choses, bien sûr, qui aident à corriger son intention. Inch'Allah, on va les citer. Pour savoir si notre intention, justement, elle est bonne, si l'IA, elle est correcte, mais... Est-ce qu'on peut être sûr de vrai que pour Allah, on ne sait jamais vraiment? Ça contredirait justement la phrase qu'on a vue. À savoir, si tu ne crains pas qu'Allah te châtie pour la meilleure de tes œuvres, alors tu cours à ta perte. Si on était sûr et certain que l'œuvre, elle est acceptée dans le sens, elle a été faite, bien sûr, en conformité, là on peut être un peu plus sûr. Je suis convaincu que j'ai œuvré selon la sunna, parce que la sunna dit que c'est
A et B et C, j'ai fait A et B et C, donc ça, non, c'est évident. Non. Quant à Nia, c'est pas. On va corriger. Je vais expliquer comment on peut corriger, Inch'Allah. On va corriger. Mais on ne sait jamais vraiment. Il y a toujours cette crainte. Et puisque si j'étais sincère hier, est-ce que je suis sincère aujourd'hui? Non, c'est pas le tout. Non, j'ai commencé, j'ai fait cours hier, j'étais sincère. Admettons, aujourd'hui, quand à mon croisière, j'étais pas sincère. C'est à chaque fois, hein, la NIA, ça se révise à chaque fois. C'est pas une seule fois, c'est pas bon, j'ai révisé ma NIA dès que je me suis converti. À partir du moment, à partir de cet instant, à partir de ce moment, je œuvrerai que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est pas comme ça. C'est à chaque instant, en vérité. À chaque heure, qu'il faut se remettre en question. Donc non, on ne sait jamais vraiment. On ne sait jamais réellement. On espère. Voilà, on espère que nos œuvres soient agréées. On espère avoir été sincères. Il y a toujours ce doute. Personne ne peut savoir. C'est lui très, très orgueilleux, très prétentieux d'ailleurs. C'est ce que dit Hudhayfa. Il dit, si tu crains pas qu'Allah te châtie pour la meilleure de tes œuvres, tu cours à ta perte. C'est-à-dire que tu es vraiment prétentieux. C'est-à-dire que tu es vraiment convaincu, toi, d'être sincère. Moi, je suis sincère. Moi, j'ai fait les choses que pour Allah. J'en suis certain, j'en suis sûr. On espère. C'est l'espérant. Mais c'est pas une certitude. Voilà pour la partie de cette réponse concernant ta question. Et l'autre, comment savoir si l'intention est bonne? Justement, se remettre en question. Se remettre en question, puis des indications, comme pour l'apprentissage de la science. On va demander à Ahmed, justement l'imam Ahmed, rahmallahu ta'ala, concernant la science, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Comment on sait si l'intention est bonne? Il a dit, la bonne intention dans le bel ilm, c'est de chercher à ôter l'ignorance de sa personne, puis de l'ôter de celle des autres. Des autres gens, des autres personnes. Ôter l'ignorant. Donc si c'est apprendre, pour par exemple te pavaner, dire moi je connais ci ou je connais ça, ou faire telle et telle chose, pour obtenir peut-être, je ne sais pas, de l'argent. Non. Auquel cas, tu sais que ton intention dans l'aïm, il n'est pas bon. Mais si c'est parce que tu es friand de savoir, et tu as envie d'apprendre aussi pour mettre en pratique, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça montre, Inch'Allah, que ton intention est noble dans l'étude de la science. De même, si tu aimes, l'arme, expliquer aussi aux gens. Et que ton intention, dans l'apprentissage de cette science, était aussi d'enseigner à ta communauté, ensuite. Et d'expliquer aux gens, pour ne pas qu'ils tombent dans telle ou telle erreur, et leur apprendre. Ça dénote aussi une bonne intention dans l'étude de la science. Et à chaque fois, comme ça, tu révises. Comment savoir si l'intention est bonne, tu te remets en question, et tu fais comme si tu étais devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que j'œuvre exactement pour lui à ce moment-là? Est-ce que je dis ce qui lui plaît? Est-ce que je cherche à le satisfaire ou c'est pour satisfaire mon nefs? Est-ce que j'y gagne quelque chose? Est-ce que j'ai un intérêt? Est-ce que j'ai un intérêt personnel là-dedans? Etc. À chaque fois, chaque parole, chaque action, même les plus minimes, il faut se remettre en question. Voilà. Est-ce que c'est pour le regard des gens? Est-ce que se poser énormément de questions. Voilà comment savoir si l'intention est bonne. Et essayer de tout ramener à Allah Azzajal et au bien. Est-ce qu'il y a un intérêt pour la communauté? Est-ce que c'est un bien? Est-ce que t'es sincère tout simplement? Regarde-toi dans une glace et tu te dis j'ai fait ça. Mais est-ce que c'est par sincérité? Regarde un exemple. Un exemple très simple. Une sœur apporte son voile. Personne ne la voit. Personne ne la voit. C'est simplement qu'elle est attachée à son voile. Et quand elle sort, oui, elle est vue des autres. Mais ça, c'est évident. Elle ne peut pas être transparente. Elle n'est pas de verre, la sœur. Mais elle met son voile, et là, c'est quand elle sort, elle est pudique pour Allah Azza wa Jal. Comprenez? Mais j'ai le bon soupçon voir cette sœur et de me dire, alhamdoulilah, elle porte son voile et a priori, elle a l'air sincère. Et on a plus de doutes envers des sœurs qui, même si elles gardent dehors, hein, s'affichent et se pavanent sur les réseaux. Tu veux être vu des hommes ou c'est pour plaire à Allah Azza wa Jal? Pourquoi tu fais des photos et des photos et des photos avec ton voile? Pour jouer la plus belle, pour montrer peut-être une certaine piété. Moi, je mets le voile et certaines ne le mettent même pas dehors. Parfois, c'est juste des défilés de mode sur Instagram. Allah Mustaan. Quand bien même elle le met dehors, sa nia a l'air, j'ai bien dit a l'air corrompu du fait qu'elle s'affiche comme ça sur internet pour se montrer. Parce que c'est pas le but à la base du voile. Donc ça mériterait une grande correction dans l'intention. Se dire, je mets le voile mais je le mets pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire pour que je sois couverte et qu'il soit ravi de moi, je dois être pudique devant les hommes étrangers. Ou alors c'est pour, au contraire, faire preuve d'impudeur et m'afficher comme ça sur les réseaux. C'est un exemple. Et dans chacune de tes œuvres, ma sœur, bah, tu dois te remettre en question et te dire, bon ok, j'ai fait ça, mais à qui ça profite, c'est pourquoi ça... Non, je me remets en question. Et tu analyses. Tu dis, je suis comme ça, j'ai fait ça ou j'ai dit ça, est-ce que c'est le haq, est-ce que c'est pour plaire à Allah, est-ce que c'est mon nefs qui a gagné, qui a triomphé ou pas, est-ce que j'y gagne quelque chose, etc.
Voilà. Wallahu a'lam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que signifie la parole suivante d'Ibn Qayyim, rahimahullah, soit parmi les enfants de l'au-delà et non parmi les enfants de ce bas monde, dunya, car l'enfance fut la mère. Alors, c'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair. Mettons que dunya est une maman. Al-akhira est une maman. D'accord? Tu vas être parmi les enfants de qui? Les enfants de la dunya ou les enfants de l'au-delà? Et l'enfant suit sa mère. Mais c'est évident. Toujours l'enfant, il suit la mère. Mon fils, toujours, il suit sa mère. Il m'aime bien, mon fils. Je l'aime aussi. Hafid Allah Ta'ala, mais... un enfant, il suit sa mère, c'est évident. Donc, à quelle mère veux-tu être attaché? À quelle mère veux-tu être attaché? C'est que ça signifie, c'est un peu plus simple. C'est attaché à ce damon, c'est attaché à l'au-delà. Allah Alem. Comme un enfant sera attaché à sa mère. Assalamu alaikum. Si on cache nos œuvres du regard des créatures, l'intention est bonne ou pas? Elle peut être bonne en soi, sans que ça devienne exagéré. Donc, de base, oui, si on cache l'œuvre du regard des créatures, parce que je peux être sûr que l'intention est bonne. C'est un point pour corriger l'intention, j'en sais rien après. Je ne sais pas exactement après pour qui, pourquoi tu fais ça, c'est trop en ton cœur, encore une fois. Mais c'est un bien. Ne pas pleurer, c'est un pas craindre d'avoir devant les créatures. Éviter les larmes devant les créatures si tu pleures pour Allah. Les salafs se cachaient, comme ça de leurs épouses. Lecture du Coran, les salafs se cachaient. L'aumône, si bien que la main gauche ne sait pas ce qu'a donné la main droite, etc. C'est une image, quand on ne sait pas ce que la main a donné. C'est-à-dire que vraiment, c'est de manière très furtive et très cachée. Donc en soi, oui, se cacher pour œuvrer, c'est un bien. Ça dénote une forme de sincérité. Maintenant, comme j'ai dit, pas que ça tombe dans l'exagération. Sinon, on tombe aussi dans une autre forme d'ostentation. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une créature, tu ne vas pas vouloir œuvrer. Pourquoi tu t'empêches d'œuvrer pour eux? C'est comme si, Naam, tu voulais absolument, que les gens aussi pensent cela de toi, que tu ne vois pas devant les autres, etc. Tu ne dois pas forcer la chose. Si tu peux le faire, alhamdulillah, tu le fais. Mais si, admettons, tu dois faire rawatib. Tu dois faire rawatib, tu as l'habitude de faire rawatib. C'est ton habitude. C'est pas tu fais rawatib à ce moment-là parce qu'il y a du monde. Admettons, toi, tu fais jamais rawatib. Qu'Allah nous aide. Tu fais jamais. Il y a quelqu'un à la maison, tu dis, je vais faire rawatib aujourd'hui. Non, là, c'est pas correct. Là, c'est pas correct. Mais si tu as l'habitude, de même pour jeûner, tu as l'habitude de jeûner lundi, jeudi, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est chez toi, tu vas t'empêcher de jeûner. Parce que ta niya, elle est clairement établie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce serait une autre forme d'erreur. Ce serait une autre forme d'erreur. Hein? Ce serait une autre forme d'erreur. De s'empêcher de vrai. Voilà, de s'empêcher de vrai parce qu'il y a une créature. Voilà. Même tu es à la mosquée, tu as envie de faire de raqqa, tu fais de raqqa. Tu n'as pas commencé à te dire, je ne fais pas tahiyat al-masjid, je ne fais pas ma ratiba de je sais pas telle salat, parce qu'il y a des gens. Là, tu rentres dans une autre forme d'exagération, là, tu corriges ton intention, si tu peux cacher certaines choses, tu le fais, mais si tu as l'habitude de faire des choses, ou alors tu n'as pas le choix, il y a du monde et tu dois le faire, c'était comme ça, alors tu le fais, et tu ne préoccupes pas les gens. Allah, allez. La dernière question. Doit avoir des conseils afin de réussir à lutter contre son nefs. L'âme, ça c'est une question très très large et je ne te cache pas que là je vais beaucoup trop fatigué pour donner suffisamment de conseils. Je vais être beaucoup trop fatigué pour donner suffisamment de conseils parce que question très large. Tu m'aurais dit dans la Eda, est-ce que ça c'est correct ou ça c'est pas correct? Je t'aurais répondu, tu m'aurais dit point de fiqh. Mais là c'est de l'exhortation, c'est du conseil pour en parler pendant et encore au bas mot 15, 20, 30 minutes sur ce sujet. C'est très très large. Comment avoir des conseils pour réussir à lutter contre son nefs? C'est déjà précisément de quoi tu parles. C'est tellement large. C'est tellement large ta question. Lutter contre quoi? Contre son nefs. C'est très large. C'est très large et ça nécessiterait énormément de paroles. Et là, je n'ai pas l'énergie suffisante ce soir pour parler et parler et parler sur ce sujet. Inch'Allah, une prochaine fois, essaye de la reposer. Et si tu peux un petit peu épurer ta question pour savoir un petit peu de quoi tu parles, c'est beaucoup trop là. Alors, c'est comme si, comment être un bon musulman dans cette dunya? Faire un cours pendant 4 heures, ou alors on fait toute la vie les cours, d'ailleurs. C'est ce qu'on essaie de faire à travers ces cours-là, pas de s'améliorer, et on donne des conseils, on explique le dîn, donc à ce moment-là, on dira, suis les cours tous les jours, et tu apprendras, mettons, voilà, comment devenir un meilleur musulman, tu vois. Et là, en deux mots, comment réussir
à lutter contre son être, c'est vraiment là. C'est vraiment là. Voilà. C'est vraiment là. Si ce n'est, évidemment, si je peux répondre en une phrase, quand Allah a adoré, quand Allah, rapproche-toi. Rapproche-toi des bonnes œuvres, évite les péchés et lutte comme tout le monde. Quand le diable t'incite ou ton être t'incite, rappelle-toi, Allah, crains Allah, fais un bien, détourne-toi, et lutte, et lutte, et lutte, et c'est constamment une lutte. Mais ça, c'est une réponse, on ne peut plus basique, on ne peut plus simple, mais maintenant, sur des sujets précis, et des astuces, et des conseils, et naam, etc., ce sera bien plus long. Donc je ne m'étalerai pas plus sur cette réponse-là ce soir. Naam, je n'ai de toute façon pas d'idée là. Je n'arriverai même pas. Wallahu a'lam wa ahkam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demain, Inch'Allah, 21h, c'est les récits prophétiques authentiques, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.